Atreus. Ça va. Je crois que je commence à être habitué. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est à cause de nous? Non. C'est autre chose. Le géant mort. Pourquoi le serpent nous laisserait là? Regarde! Freya, on peut lui faire confiance, non? Tant qu'on n'en sera pas certain, garde tes distances. Le serpent monde. Que s'est-il passé? On espérait que tu le saurais. Tu es loin de chez toi. Je cherche mon fils. Tous les deux. Vous m'avez aidé à y voir plus clair. Alors tu ne sais pas où il est? Non. Mais la forêt et les champs soufflent son nom. Je sais qu'il est ici, à Midgard. Depuis quand tu l'as pas vu? Depuis fort longtemps. Bien avant ta naissance. Pourquoi tu restes aussi loin de moi? Qu'y a-t-il? Il s'est passé quelque chose. Là! Je me doutais bien que blesser le grand serpent vous ferait sortir de là. Est-ce que vous avez la moindre idée? La moindre idée? De ce que vous m'avez fait faire. Mon fils. Mère. Je suis là. Ne t'enfuis pas. Oh, je n'irai nulle part, mère. Je sais que tu m'en veux encore. Je sais que ce que tu ressens n'a pas changé, mais laisse-moi te... Ce que je ressens? Ce que je ressens? J'ai passé les 100 derniers hivers à rêver de ce moment. J'ai répété tout ce que j'ai toujours voulu te dire, chaque mot, pour te faire comprendre exactement ce que tu m'avais volé. Mais maintenant, je me rends compte que je n'ai pas besoin que tu comprennes quoi que ce soit. En fait, je n'ai pas besoin de toi. Non, écarte-toi, Kratos, ça ne te concerne pas. La voie que tu as choisie, celle de la vengeance, elle ne t'apportera pas la paix. Crois-moi. Toi, je m'occuperai de toi plus tard. La famille d'abord. Tu recommences. Non! Je peux le raisonner! Arrêtez de vous battre! Je te conseille de tourner la tête, petit. Ça va pas être beau à voir. Je te laisserai pas faire! Non, Atreus! Très bien. Non! Non, Atreus! Tu saignes? Allez, respire, je t'en prie. C'est pas mon sang.
Qu'est-ce qui se passe? Je sens la douleur. Je sens absolument tout. Non! Il est vulnérable maintenant. Du carquois, oui. Le qui l'a blessé? Freya a dit que c'était maléfique. Pas simplement blessé, le sort est rompu. On peut le tuer. J'en suis certain. Tout me revient à présent. Maintenant, ça lui revient. Elle contrôle cette chose? Ne t'en mêle pas! Je peux le raisonner! Non, femme! Tu ne peux pas! Il a l'intention de te tuer! Tu ne peux pas m'arrêter! Personne ne le peut! Où est-il? Je me moque qu'il me tue! Je le protégerai! Je ne le laisserai pas mourir! Retouche! Ce sera bientôt fini! Là! Le cristal.
Atreus ! Atreus ! Je suis là-haut ! Je vais bien ! Moi, je vais incroyablement bien ! Je ne me suis jamais senti aussi vivant. Arrêtez ! Driva ! Senti aussi vivant. Quelle ironie, n'est-ce pas? Quoi? Pourquoi? Ah!
De ta protection. Tu ne peux pas t'empêcher, pas vrai, mère? Quoi que je fasse, quoi que je dise, il faut toujours que tu interviennes. J'essayais juste de te protéger. Je voulais... J'ai fait des erreurs, je le sais. Mais tu es libre à présent. Tu as ce que tu voulais. Essaie de me pardonner et nous pourrons construire une nouvelle vie. Non. Non. Pourquoi ? Ça n'arrivera pas. Parce que je ne te pardonnerai jamais. Tu dois encore payer pour la vie que tu m'as volée. J'ai déjà payé. J'ai déjà payé. Si c'est la seule chose qui te rend heureux. Si me voir morte peut t'apporter la paix, je ne t'arrêterai pas. Je sais. Contre toi, j'exposerai ton corps.
corps sans vie, aux quatre coins des 9 royaumes, et je jetterai ton âme en pâture aux créatures infernales. Je t'en fais la promesse. Il t'a sauvé la vie. Il m'a pris ce que j'avais de plus cher. Tu n'es qu'un animal. Tu transmets ta cruauté et ta rage. Tu ne changeras jamais. Alors tu ne sais rien de moi. J'en sais bien assez. Mais lui... Atreus, écoute bien. Je viens d'une ville appelée Sparte. J'ai fait un pacte avec un dieu et j'y ai laissé mon âme. J'ai tué des gens qu'ils méritaient. Et d'autres qu'ils ne méritaient pas. J'ai tué mon père. C'était bien ton père, elle. C'est ça, être un dieu. Ça finit toujours comme ça. Les fils tuent leur mère. Et leur père. Non. Nous serons les dieux que nous choisirons d'être. Pas les dieux qui ont été. Tu n'as pas à devenir celui que j'étais. Nous devons être meilleurs. Bon, j'imagine que ça fait de nous les méchants. Oui, à ses yeux. Mais c'est un choix qu'elle n'aurait jamais pu faire. Nous devrions finir ce voyage tant que j'en ai la force. Je comprends pas. Je sais qu'on a bien fait de la sauver. Mais elle avait l'air méchante à la fin. Pas méchante. Tu as tué son fils, petit. Tu as tué son fils. Un parent ne se remet pas facilement de la mort de son enfant. Mais il allait la tuer. Elle serait morte pour qu'il vive. Seul un parent peut comprendre ces choses. Alors tu me laisserais te tuer? Si ça te permettait de vivre. Oui. Écoute, ce n'était un choix facile pour personne, mon frère. Mais on sait tous que tu as fait ce qu'il fallait. Le monde a besoin de Freya. Il faut juste lui laisser du temps. Elle finira par s'en remettre. Alors retournons au temple de Tyr, une dernière fois. Oui, Jotunheim nous attend.